Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode 5 sur les webcasts. On découvre ensemble en fait comment donner une conférence, une communication interne au format donc professionnel et engageant tout en restant à distance, par exemple chez soi. Rappel, deux types de contenu qu'on peut partager via nos plateformes, soit préenregistré, soit live. Et on se place dans le live ici. Donc, ça ressemble à ça en fait, hein, nos webcasts pour un participant lambda. Vous avez soit l'écran partagé entre la présentation et l'intervenant, soit un focus disponible sur les intervenants ou la présentation. Rappel donc aussi des points positifs. Déjà, on parlait tout à l'heure du cadre professionnel à distance. Aussi, pas ou peu d'équipement nécessaire, comme vous voyez ici avec l'exemple du cadre assis tranquillement en train de donner sa présentation. Et les modérateurs de chez MeetYou qui sont présents en amont et pendant la présentation pour vous supporter. Interaction aussi favorisée par deux éléments, les sondages comme ici, donc quel est votre webcast préféré, ou les questions-réponses, qui sont aussi un autre élément très intéressant pour stimuler l'audience. Donc voilà, on a parcouru en une minute en fait ce qui font l'intérêt des webcasts. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de la production audiovisuelle. En attendant, je vous dis à plus.